l'adrénaline, quoi, des choses nouvelles. Se lever, bah, donner du sens à ce qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais fait une participation aux Jeux Olympiques, où je termine 17e. Champion du monde par équipe l'année dernière. Maintenant, il faut absolument que je sorte un titre individuel lors des gros rendez-vous pour un peu satisfaire ma carrière sportive. C'est la raison pourquoi je continue aussi longtemps, parce que je sais que je peux encore donner beaucoup. C'est cette adrénaline qui m'attire au quotidien. Moi, je suis plutôt sur une longue carrière, je suis plus âgé du groupe. Le corps que j'ai aujourd'hui n'est pas le même que quand j'avais 20 ans. Du coup, je travaille beaucoup sur mon expérience. Il n'y a pas de limite de progression dans ce sport. Parfait, non. On est toujours à la recherche de ça. Je me donne à 100% ce que je peux donner ce jour-là. Mais je sais que je peux faire encore mieux. Et c'est ce côté-là qui fait durer les choses. Tu apprends vraiment à te connaître sur tous les sens, quoi. Être dans l'apprentissage tout le temps. Les émotions, le stress, le physique, l'évolution au travers d'un groupe. À mettre son ego, un peu son envie d'être le premier, à le mettre un peu de côté. Et s'exprimer en compétition, certes, l'ego sert beaucoup pour la compétition, mais au travers d'un groupe, bah, respecter l'autre en l'écoutant. Le sport m'a permis de comprendre finalement assez vite. Je pense que c'est important dans notre carrière d'athlète d'être acteur complètement de ce qu'on nous donne. Il y a des choses, bien sûr, il y a des choses où on préfère, ouais, j'ai envie d'aller à fond, faire des 200 mètres, mais ça c'est plus pour s'exprimer. L'épreuve d'escrime, des fois, on peut avoir tendance à être un peu fatigué. Bah, c'est pas grave, limite, on réduit les matchs et on fait plutôt un seul match. Et si un seul match, on a fait une grande qualité, ah bah c'est bon, l'entraînement est gagné. Même si c'était un match de 3 minutes pendant 2 heures. Mais on n'oublie jamais les bons souvenirs. Et je pense que les meilleurs souvenirs resteront au pentathlon. Parce que ça a été ta base de toi-même tout seul, sans parler de ta famille, rien, toi-même tout seul. Et ça te suivra dans le milieu de l'entreprise, dans ce que tu feras plus tard. Vive pour rien de regretter. Voilà. Et quand il y a cette situation-là, bah, je pense qu'on a tout gagné, quoi. Donner du sens à ce qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans limite, quoi. L'adrénaline. Tu as rajouté? If you shoot 5, you win. Always. Merci. Ah, c'est bien. Tu es ému? Tu es ému? Tu es ému, ça veut dire quoi? Tu es rempli d'émotion. Prochain âge. Bouger. Tu. Valentin! Ouais. Tu peux couper le son, s'il te plaît? Ouais. Merci.